Ah eh bah ben c'est pas mal Pas mal du tout Bonjour à tous, bienvenue sur French Grip Channel, je vous avais promis que je vous ferais des vidéos de test matériel. Et bien écoutez, c'est la première. Et la première, elle est consacrée à cette caisse claire 14 par 6,5, euh, Tama Star Classic. C'est la série Walnut Birch. La série Walnut Birch, bah, c'est ce qui a remplacé la série Boulot Boubinga, Puisque euh, le boulot est toujours présent. Par contre le boobinga c'est plus compliqué à exploiter que le noyer. Alors là ça, c'est du noyer américain. Donc c'est pas un noyer qui vient des Philippines ou de je sais pas où qui serait tout pourri, c'est un beau noyer américain. Et euh, c'est ce qui donne cette couleur euh, un petit peu sombre à l'intérieur, parce que les deux plis intérieurs sont en noyer et les quatre plis extérieurs sont en boulot, ce qui fait à peu près 6 mm d'épaisseur pour cette caisse claire. C'est exactement la même conception que les tomes de la batterie de la même série. Donc il euh, n'y a pas de mystère, la caisse claire n'est pas différente. Alors quelque part ça peut être un petit peu dommage parce que bah on pourrait se dire que Tama réfléchirait à ces modèles de cascadeur différemment de la manière dont ils réfléchissent à leur tome, mais pas du tout, en fait ça marche bien, donc il euh, n'y a pas de problème. Et c'est une, une excellente caisse claire en bois. Alors, je suis complètement objectif parce que 1. je suis pas endorsé par Tama et deux, je suis pas très client des caisses claires en bois d'habitude. Par contre, c'est la bonne taille pour moi. C'est 14 par 6,5, et demi. C'est la taille que j'utilise tout le temps. Euh, et je vous fais ce test matériel. Euh, un, je veux rien vous cacher. On est un vendredi matin parce que ce, je la rends à, avant midi en fait. Je la rends à son propriétaire qui me l'a prêtée pendant quelques temps. Euh, elle est neuve. Il y a encore l'étiquette dessus qui traîne par là. Ouais, ça <laughs> Donc, elle est complètement neuve. Et je m'en suis pas servi en fait, hein. je m'en suis servi très peu pour l'essayer, pour, pour triper un petit peu. Alors, le, ce qui est merveilleux avec les caisses claires Tama de la Série Star Classic, bah, c'est que le déclencheur est plutôt bon. Alors ce déclencheur vous le connaissez sûrement, vous l'avez sûrement déjà vu, je me rappelle plus le nom qu'il a, mais euh, sur les caisses claires signatures, c'est le même. Sur les signatures palettes, même sur la, la Steward Copland par exemple. Ou sur la Charlie Benante, je crois, c'est le même. Ce qui est un peu dommage, c'est que la molette soit entourée de caoutchouc et pas de métal, comme ça peut l'être sur D'autres euh, séries de caisse haut de gamme chez d'autres marques, eux ils ont ce côté un peu cheap du caoutchouc là qui est un peu qui est un peu dommage. Par contre, le déclencheur marche bien en plus. Le timbre il est avec euh, une lanière en nylon là et pas avec une lanière en, en plastique euh, un petit peu cheap aussi. Donc, ça c'est plutôt sympa. De toute façon, euh, je vous montrerai de, de près, enfin avec des autres plans, la, la caisse de l'intérieur et puis un petit peu machin. Enfin Bon, ça tourne pendant la vidéo. Hein, je peux pas tout faire en même temps, mais je, je les tourne à part. Euh, donc vous verrez un petit peu mieux cette finition fantasme oyster qui rappelle un petit peu les batteries des années 60 et 70, notamment la batterie de Ringo Star, la Ludwig, euh, bah, classique Maple quoi qui était en finition oyster, mais bon là c'est plus euh, en couleur que noir et blanc. Donc là on est sur quelque chose, les Américains appellent ça clown vomit, donc ils appellent ça le vomit clown. Et c'est vrai que c'est assez proche, moi, je trouve ça très joli. Après, euh, assumer un kit entier comme ça quand on est dans un groupe de death metal, je sais pas. Mais euh, quand on est dans n'importe quoi et qu'on a envie que ce soit d'avoir une belle batterie, un beau kit, moi j'ai failli le, me l'acheter à un moment donné et me l'acheter comme ça. Donc euh, comme quoi euh, tous les goûts sont dans la nature, maintenant j'ai une superbe pearl noire, mais à l'époque j'aurais bien aimé avoir une, cette Tama Fantasy Monster quand c'est sorti, je trouvais ça très beau alors les bons côtés de cette caisse claire bah, évidemment donc, je vous ai dit le déclencheur ça marche bien même ce petit côté chipos et puis euh, chez Tama ils ont la très 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 bonne idée de faire toute leur caisse claire euh, haut de gamme avec ces cercles euh, moulés les diecast out Tama qui sont euh, avec les sonores je pense les plus épais et qui euh, vous donnent ce rimshot euh, dingue même sur une caisse claire en bois euh, avec des fûts pas très épais enfin euh, bref il y a un rimshot de fou euh, l'écart entre la frappe sèche normal et le rimshot il est il est quand même bien 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 puissant et euh, quand on joue des gros backbeats euh, bien violents Avec un Charlet de 16, hein, bon, tant qu'à faire. Mais euh, voilà, c'est une caisse claire qui est très puissante. Alors, j'ai pas, euh, pas enlevé la peau d'origine, évidemment. Donc, c'est une, une Evans G1. Il y a le petit macaron Tama dessus, mais c'est une Evans Made in USA, G1. Donc, c'est pas, euh, pas une ambassadeur euh, fabriquée en Chine, les Remo UT ou les Remo UK, là. Euh, c'est une peau Evans. Tout ce qu'il y a de plus sérieux, c'est pas la peine de la changer si vous aimez les peaux simples plis. Alors, le souci c'est que, évidemment, avec une peau simple pli, il ben, y a un peu plus d'harmonique, le son n'est pas très étouffé. Et contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, euh, les caisses claires en bois, surtout les caisses claires en bois avec un fût assez fin, euh, dégagent pas mal d'harmoniques et peut-être même un peu plus que beaucoup de fûts en métal. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'avec cette euh, peau simple pli, ben, il faut être prêt à ce que la, la caisse claire chante un peu. et si vous voulez la mater, bah, il suffit de mettre un Moon Gel ou deux. Bon, j'ai pas fait ça parce que moi je voulais que vous voyiez la caisse dans son plus simple appareil. Évidemment, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de à quoi elle sonne, de comment elle sonne, pardon. Mais euh, avec un Mungel, il y a tout, tout de suite le moyen de lui donner ce côté un petit peu plus rock, un petit peu plus mat qu'on entend un petit peu dans les, les sons un peu modernes. Et euh, c'est une richesse en plus en fait, parce que si elle est capable de chanter, elle est aussi capable de se taire un peu. Alors qu'une caisse claire qui est tout de suite mat, bah, si vous voulez la faire chanter un peu plus, c'est peut-être impossible. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette taille. Avec cette conception de fût, euh, les caisses claires star classique boulot, euh, boulot noyé, du coup, bah oui, boulot noyé. Les caisses claires boulot noyé, eh ben, elles sont relativement versatiles, elles peuvent s'exprimer se, dans beaucoup de styles. Il euh, n'y a, y a aucun, aucune raison que vous ne puissiez pas faire de, de, de reggae avec, ou de blast beat, ou de trucs. Enfin, du, du reggae au death metal, il n'y a qu'un pas. Et euh, ce qui est très bien, c'est que la taille 14 par 6,5. Euh, c'est une taille avec laquelle on peut faire beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'accordages qui sont disponibles une 5,5 si vous voulez l'accorder vraiment très bas c'est peut-être un petit peu euh, un petit peu trop euh, fin alors qu'une une, 6,5 vous pouvez l'accorder très bas et vous pourrez avoir des choses qui sont proches d'une 14 par 8 par exemple donc c'est vraiment une taille intermédiaire parce que les caisses claires vont traditionnellement de 14 par 4 à 14 par 8 et euh, au milieu il y a ces deux tailles intermédiaires que sont euh, 6,5, 5, 5,5 5 ,5 à peu près enfin 5, voilà c'est un petit peu les tailles standards et euh, moi j'aurais tendance à penser que la vraie taille standard c'est vraiment 14 par 6,5, euh, même si c'est en général un petit peu plus puissant qu'une 5, mais c'est un petit peu moins claquant. Voilà, en gros c'est à peu près à ça que ça se résume. Euh, toujours est-il que celle-là est quand même bien claquante. Euh, et que euh, très beau modèle de caisse claire, alors après vous pouvez, vous pouvez pas voir forcément parce que vous n'êtes pas dans la même pièce que moi, mais si vous envoyez une en vrai, bah vous verrez que le degré de finition est quand même super élevé. Euh, C'est parmi ce que Tama fait le mieux. Et alors, il y a les Starphonic, évidemment qui sont faites au Japon, celles-là sont faites en Chine, on va pas se cacher, mais euh, ça reste quand même de la star classique, quoi. Donc, avec tous les, tout l'apanage des stars classiques, donc avec ces jolies coquilles euh, euh, simples là qui sont de chaque côté du fût, qui sont très jolies, qui sont très bien faites qui Sont euh, mises sur un silent block évidemment avec des tyrans qui sont très petits et qui du coup euh, permettent à euh, ce qu'on voit bien la finition parce que bah, la finition euh, elle est euh, pas cachée par des énormes coquilles et des machins, c'est assez fin. Ça permet au fût de vibrer un petit peu et euh, c'est vraiment pas désagréable. Et euh, que vous dire sinon que euh, évidemment ce qui compte c'est quels sont ça a sous les micros. Eh ben sous les micros, c'est une caisse claire qui sonne très bien, il n'y a pas d'impureté bizarre, il n'y a pas d'harmonique chelou difficile à gérer, il euh, n'y a pas de truc euh, qui soit impossible à mixer, pas du tout. Sous les micros, elle sonne très bien, alors j'ai mis un mic tech en haut. Euh, qui est une sorte de SM57, euh, mais avec un petit peu moins de repise de charlet, c'est très pratique, c'est Sébastien Camille qui m'a appris ça. Franchement, c'est très joli, c'est très sympa. Et euh, en dessous, il y a tout simplement un Audix euh, D2. Voilà, c'est un micro de tom que j'ai mis en dessous, euh, parce que c'était pratique avec la pince et j'avais pas envie de m'emmerder avec un, un pied de micro supplémentaire, parce que voilà, je voulais que ce soit simple à faire et simple à mettre en place, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc, euh, ça sonne très bien, y compris sous les micros, ce qui est quand même un truc qui compte, parce que la caisse claire, qu'elle sonne bien en répète, c'est bien, mais qu'elle sonne bien sous les micros et qu'elle sonne bien en concert, c'est quand même le top, parce que c'est ça qu'on cherche. Donc, ça, c'est une très bonne caisse claire de studio, c'est une très bonne caisse claire de live. En général, de toute façon, le boulot est un excellent bois pour, les... pour le studio. C'est très bien, parce que c'est facile à gérer, en général, le boulot par rapport à l'érable, qui est un petit peu plus difficile à accorder. Le boulot, c'est très bien pour le studio. Et ben cette caisse claire, elle remplit parfaitement son rôle. En plus, grâce au cercle moulé, bah, évidemment. Elle a un crostic hyper puissant. Et euh, bah voilà, Très beau modèle, très bien fini, avec euh, une superbe finition qui sonne très bien et sur lequel j'ai envie de jouer encore un peu, donc euh, bah voilà, pour que vous puissiez l'entendre sonner, mais franchement, Tama a fait du très beau boulot et ça vaut moins de euros. Donc franchement, euh, si vous avez envie d'une caisse claire en bois, notamment en boulot, parce que c'est un petit peu moins cher que les stars classiques maple, et que euh, vous aimez bien la finition, vous aimez bien la gueule que ça, vous aimez bien les cercles moulés, et puis vous avez un truc, euh, vous avez envie d'un truc très versatile et quand même assez puissant, moi je pense que ça se pose là.